Chapitre 10, les éléments mémoire. Les circuits qu'on a faits à date sont toujours des circuits logiques dont le résultat ne dépend que des valeurs d'entrée et qui n'ont aucune mémoire, donc c'est des circuits sans mémoire, c'est-à-dire que le résultat du précédent calcul n'influence pas le résultat du calcul suivant. Donc ça, c'est ce qu'on a fait à date, tous les circuits logiques qu'on a vus, la sortie, le résultat à la sortie, ne dépend que des valeurs d'entrée et pas du tout de ce qui s'est passé précédemment. Ce qu'on va faire dans ce chapitre-ci, on va d'abord parler des bascules. La bascule, c'est le dispositif mémoire le plus simple possible qui permet d'utiliser le résultat précédent dans le calcul suivant. Donc, on va construire une bascule à partir de portes logiques comme on a vu précédemment, mais avec une petite twist. Donc, imaginons ceci. Ça, c'est une bascule en porte non E. Donc, j'ai deux portes non E ici qu'on connaît déjà, ça ici, voilà. Et j'ai deux sorties, Q et non Q. Donc, ça, c'est le nom qu'on va donner à la sortie. La sortie Q, c'est la sortie habituelle, c'est-à-dire c'est le résultat qu'on recherche. Et ça, ça va toujours être exactement l'inverse de celui-là. Donc, si lui est 1, celui-là est 0. Si lui est 1, celui-là est 0, tout simplement. Donc, ça ici, on va les appeler, les entrées, on va les appeler set et clear. Puis on va voir pourquoi ça s'appelle comme ça tantôt. On va remarquer que ces deux bascules-là sont faites avec des portes non et rétro-couplées, c'est-à-dire que la sortie de chacune de mes portes non et est branchée à l'entrée de la suivante. Même chose ici. Donc, supposons, juste pour regarder ce qui se passe, qu'initialement, la valeur de S et de C sont 1. Et est-ce qu'on est capable de déterminer quelle va être la valeur de la sortie? Que va donner Q? Alors, si ça c'est 1, puis ça c'est 1, on fait quoi? Ben, c'est impossible. En réalité, on ne peut pas le savoir que va donner la valeur Q. Ce qu'on doit savoir, c'est que valait Q avant. Donc, supposons qu'initialement, S vaut 1, C vaut 1 et Q vaut 1. Donc, si Q est égal à 1 ici, donc j'ai 1 ici, j'ai le C qui vaut 1, et alors, je suis capable de déterminer ensuite quelle va être la valeur de la sortie. Alors ici, cette sortie-là va me donner 0. Ça, c'est la valeur non Q. Donc, on voit que le 0 qui est ici est branché à l'entrée de la première porte non E avec le 1 qui est là. Alors si j'ai un 1 à l'entrée, puis un 0 à l'autre entrée, le résultat va me donner 1. Si j'ai un 1 à l'entrée de celle-ci et un 1 à l'entrée de celle-là, les deux 1 me donnent bien un 0. Puis on voit qu'effectivement, les résultats sont inversés. Okay. Bon, supposons maintenant qu'en fait, initialement, la valeur de la sortie Q, c'était 0. Qu'est-ce que j'avais? J'avais le 0 qui est branché ici, à l'entrée de la porte non et numéro 2. Puis j'ai un 1 à l'autre entrée. Alors cette fois-ci, le résultat va me donner 1. 1 et 0 dans une porte non et, la sortie donne 1. Ce qui est encore logique, parce que c'est bien l'inverse de la valeur qu'on avait à la sortie ici. Alors j'ai un 1 ici, que je branche avec le 1 qui est ici. Donc mes deux entrées sont à 1, la sortie me donne bien 1, 0. Et elles sont effectivement inversées. Alors, supposons que je veux m'assurer que la valeur de Q va être 1. On va appeler ça la mise à 1 de l'élément mémoire. C'est-à-dire que je veux m'assurer que la sortie vaut 1, peu importe quelle était la valeur initiale. Donc que ma sortie initiale c'était 1 ou 0, je veux dans les deux cas m'assurer, faire quelque chose qui va faire en sorte que ma sortie va nécessairement être 1. Donc je veux que Q devienne 1. Comment je peux faire ça? Bon, supposons que la sortie initialement, c'était 0. Et là, ce qu'on va faire, c'est que pendant un petit intervalle de temps, on va modifier la valeur S de l'entrée. Donc, je vais modifier le 7. Qu'est-ce que je vais lui faire? Mais pendant un petit instant, au lieu que S soit égal à 1, il va devenir égal à 0. Donc, ça, c'est la ligne 1, puis ça, c'est la ligne 0. Là. Pendant mon petit intervalle de temps ici, je vais avoir une entrée S qui va devenir égal à 0. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que la valeur de Q qui était à 0
va devenir un 1. Je vais reprendre le circuit pour voir si c'est vraiment ça l'effet que ça fait. Et de la même façon, en même temps, ben, la valeur de la sortie non Q, qui était 1, va devenir 0 parce que j'ai mis le S à 0 pendant un petit bout de temps. On peut le regarder ici, on va le regarder ensemble. Donc, si ma valeur S devient 0, alors qu'initialement, Q était égal à 0, puis non Q était égal à 1. Alors là, qu'est-ce qui se passe? J'avais non Q qui était égal à 1, puis là, à un moment donné, je change S, il devient 0. Fait que qu'est-ce qui se passe quand je mets S à 0? Bien, il se passe que Q va devenir 1. Et évidemment, en même temps, qu'est-ce qui va se passer? Bien, j'ai ça ici qui est devenu 1, avec le 1 qui est ici. Donc, ces deux entrées de la deuxième porte non I sont maintenant à 1. La sortie devient effectivement à 0. Voilà, j'ai réussi à rendre Q égal à 1. OK, mais supposons finalement qu'en fait, au début, Q était déjà égal à 1. Fait que ce que je vais faire, je vais appliquer le même principe. Je vais dire, bon, ben OK, je vais quand même mettre la valeur S à 0 pendant un petit intervalle de temps. Fait, qu'est-ce que ça va faire? Ce que ça va faire, c'est rien du tout. C'est-à-dire que le fait de mettre le S à 0 pendant un petit intervalle de temps ne va pas changer la valeur de la sortie. Donc, la valeur Q va rester égale à 1, puis la valeur non Q va rester égale à 0. On peut regarder. Donc, supposons que j'avais ma sortie qui était déjà égale à 1 et pendant un petit intervalle de temps, je mets S à 0. Mais qu'est-ce que ça va faire? Mais si j'avais 1, qui est encore 1, je garde le 1 avec le 1 qui est ici, ça va continuer à me donner 0. Là, j'ai un 0 ici qui est à l'entrée de cette porte-là avec le nouveau 0 qui était là, ce qui continue de donner un 1. Parce que quand j'avais 1 ici puis 0 ici, ça me donnait un 1. Si les deux entrées sont à 0, ça me donne quand même un 1. Fait que finalement, le fait de changer la valeur S, ça n'a pas d'effet sur la valeur de sortie. Ce qui signifie que si je change la valeur S pour la mettre à 0 pendant un petit bout de temps, je m'assure que la sortie va devenir 1, qu'elle soit 1 avant ou pas. Donc, si c'était 0, ça va devenir 1, puis si c'était 1, ça va rester 1. Je peux aussi mettre la sortie à 0, donc faire la mise à 0 de l'élément mémoire, et donc m'assurer que la sortie va devenir 0, qu'elle soit 0 ou non au départ. Donc, supposons que oui, supposons qu'au départ, la valeur Q était à 0, pour pouvoir m'assurer qu'elle va rester 0, ou qu'elle va devenir 0 si elle n'était pas nulle, je vais jouer avec la valeur de l'entrée C. Pendant un petit intervalle de temps, je vais la mettre à 0. Donc, ma valeur C, l'entrée C qui était à 1 au départ, je vais la mettre à 0 pendant un petit bout de temps. Et quel effet ça va avoir sur la sortie? Ce que ça va avoir sur la sortie Q, c'est qu'elle va passer de 1 à 0. Et sur la sortie non Q, c'est qu'elle va passer de 0 à 1. C'est ça qu'on veut. On veut que Q devienne égal à 0. On va vérifier. Donc, si on regarde ça ici, j'avais mon entrée S qui était égale à 1, ma sortie Q qui était égale à 1 et donc non Q qui était égale à 0. Et là, j'avais C qui était égal à 1, mais que je mets 0 pendant un petit intervalle de temps. Donc, quel va être l'effet? Bon, ce que ça va changer, c'est que parce que cette valeur-là ici, c'est 0, avec le 1 qui était là, 1 avec 0, ça va me faire 1 à la sortie. Et là, le 1 qui est là, il devient l'entrée de cette porte-là. Puis là, j'ai 2 1 à cette entrée-là et donc la sortie devient 0. Donc, c'est effectivement ça qui va se passer. C'est-à-dire que ma valeur Q qui était égale à 1 va devenir nulle et la valeur non Q qui était égale à 0 va devenir égale à 1. Donc, en modifiant la valeur C, on a modifié la valeur de la sortie. On l'a mise à 0. OK, mais supposons qu'en fait, la valeur de sortie était déjà 0. Donc, qu'est-ce que ça va faire de jouer avec la valeur C, de la mettre à 0 pendant un petit intervalle de temps? Mais ça ne va rien faire du tout. C'est-à-dire que si ma sortie était déjà à 0, elle va rester à 0. Puis si ma sortie non Q était déjà à 1, elle va rester à 1. Alors, je modifie la valeur C pour qu'elle devienne 0. Alors, tantôt, j'avais un 1 ici, puis un 0 ici, ce qui faisait que la sortie était 1. Le fait de remplacer le 1 qui était ici par un 0, ça ne changera pas la sortie. La sortie de la porte non E va rester à 1. Et comme ça, c'est branché avec la première porte non E, j'ai deux 1
aux deux entrées, et donc la sortie va rester 0. Donc effectivement, le fait de modifier la valeur de C n'a pas d'incidence sur la valeur de sortie. Si la sortie Q était déjà à 0, elle va rester 0 et non Q va rester 1. Alors que si ma sortie était déjà à 1, en modifiant la valeur C, elle va devenir 0 et non Q va devenir égal à 1. Donc on a mis à 0 notre élément mémoire. Qu'est-ce qui arrive si on change C et S en même temps? En réalité, on ne sait pas ce que ça va faire. C'est-à-dire que même temps, c'est difficile à dire. Nécessairement, probablement qu'il y en a un des deux qui va changer en premier. On ne peut pas vraiment savoir lequel si on essaie vraiment que ce soit en même temps. Fait que le résultat, on dit tout simplement qu'il est incertain. Fait que l'idée, c'est ceci. On appelle ça une bascule SC, ou en fait non S, non C. Et ce qu'on sait, ce qu'on sait, c'est que si je mets S et C en même temps, je ne sais pas ce que ça va donner. Par contre, si je mets S à 0 pendant un petit intervalle de temps, la sortie va devenir 1. Si je mets C à 0, la sortie va devenir 0. Et si je laisse S et C à 1, la sortie va rester telle qu'elle était avant. Donc, évidemment, ça signifie qu'on doit savoir c'était quoi, mais ce qu'on sait, c'est que ça ne va pas changer. Tant que je ne joue pas avec la valeur de S ou de C, la sortie ne va pas être modifiée. Elle va rester 1 si elle était 1, elle va rester 0 si elle était 0. Alors, on peut faire la même chose avec des portes non OU. Je ne referai pas tout le même détail parce que je pense qu'on a compris le concept. Ce qu'on va voir avec la bascule SC, celle qui est faite avec des portes non OU plutôt que des portes non et, c'est que c'est dans les cas où les deux valeurs vont devenir égales à 1 que le résultat va devenir incertain. En fait, c'est un peu exactement l'inverse de ce qu'on avait tantôt. Si S et C sont toutes les deux à 0, la sortie va rester la même. Si S est à 0, si S reste 0 mais qu'on met C à 1 pendant un petit intervalle de temps, la sortie va devenir 0. Alors que si on laisse C à 0 mais qu'on met S à 1 pendant un petit intervalle de temps, la sortie va devenir 1. Et encore une fois, là, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive si on joue avec les deux entrées en même temps. Habituellement, on va représenter une bascule de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on ne va pas nécessairement vous montrer qu'est-ce qui est à l'intérieur. On va juste la représenter comme un carré avec deux entrées, ici S et C, et deux sorties, Q et non Q. OK, mais ça sert à quoi tout ça? Pourquoi on fait ça? Une des utilisations principales, c'est pour faire un interrupteur anti-rebond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un interrupteur mécanique, supposons quelque chose comme ça ici, et que je vais utiliser donc l'interrupteur ici, c'est la petite flèche là, qu'on pourrait brancher de la mise à la terre au 5 volts ou l'inverse, là, c'est-à-dire que j'allume ou je ferme mon circuit, donc dépendant évidemment de ce que j'essaie de faire. Alors, ce qu'on va remarquer dans la tension de sortie ici, c'est que la valeur de la tension, elle ne passera pas de 0 à 5 volts instantanément. Ce qu'on va observer, c'est qu'il va y avoir des petites variations, des rebondissements qui viennent du fait que pendant que l'interrupteur se déplace entre le 0 et le 5 volts, il y a de la tension, mais c'est pas parfait. Ça ne passe pas instantanément de 0 à 5 volts. Alors, pour éviter ces espèces de rebondissements-là qui sont un peu aléatoires et qui, dans certains cas, peuvent créer des faux résultats à l'intérieur de nos circuits, bien, on va utiliser une bascule. Ce que la bascule va faire, c'est permettre une transition de 0 à 1 ou 0 à une certaine tension instantanée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de modification de la valeur de sortie tant que je n'aurai pas clairement branché, soit C ou S, à 0. Alors, imaginons cet exemple-ci. On a initialement notre entrée C qui est branchée, grâce à l'interrupteur ici, directement à une mise à la terre. Il y a une certaine tension là, qui existe si je le débranche, mais si je mets l'interrupteur comme ça ici, ce que j'observe, c'est qu'on est branché à la mise à la terre. Alors, ça veut dire qu'en ce moment, C est égal à 0, et donc, nécessairement, la valeur de la tension de sortie, bien, ou du moins, la sortie, elle est à 0, parce que C est à 0. Quand je vais faire passer la valeur C
de 0 à 1, c'est-à-dire à une certaine tension qui est non nulle, ce que ça va faire, c'est que je vais avoir mes deux valeurs à 1. C et S vont devenir égales à 1. Puis dans ce temps-là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que la sortie ne change pas. Donc pendant que l'interrupteur se déplace, que j'ai débranché C du 0, de la mise à la terre, la bascule fait en sorte que le résultat reste constant. Parce que C est devenu non nul, donc on peut considérer qu'il est 1 tout simplement, une certaine tension à l'entrée de C, et donc le résultat reste constant tant que C et S sont égales à 1. Quand l'interrupteur va arriver à S, là il va vraiment connecter S avec la mise à la terre, il va donc connecter S avec le 0. Et là, S va devenir 0. Puis qu'est-ce qui arrive quand S devient 0? La sortie devient 1. Et c'est ça qu'on observe ici. Donc, tant qu'il n'y a pas de contact, l'état va rester inchangé. Puis quand il va y avoir vraiment un contact, là, la sortie va changer et pas avant. Puis il n'y a pas de rebond, il n'y a pas de variation, de tension bizarre ou je ne sais pas quoi. C'est vraiment 0, puis ensuite 1. Pour que ça devienne un peu plus intéressant et un peu plus logique, on va se servir beaucoup du signal d'horloge, ce qu'on appelle très plus communément le clock. C'est à quel moment est-ce que la bascule va faire son calcul. Parce que si j'ai un système qui est asynchrone, c'est-à-dire qui n'est pas synchronisé, s'il y a des variations dans l'entrée, la sortie va changer instantanément. Alors que si j'ai un système qui est synchrone, ça signifie qu'il est en phase avec un signal d'horloge. Ça signifie qu'il ne va pas faire des calculs n'importe quand. Il va faire seulement des calculs au moment où le signal d'horloge lui dit « calcul ». Évidemment, ça se fait très rapidement, mais on peut le visualiser puis se demander qu'est-ce qui va se passer dans chacun des cas qu'on va voir. Bon, le signal d'horloge, on peut le voir comme ça ici, c'est-à-dire un signal qui envoie un signal qui varie entre 0 et 1. Donc c'est 0, 1, 0, 1, 0, 1. Et la bascule à l'intérieur, on ne verra pas comment c'est fabriqué à l'intérieur parce qu'elles sont beaucoup plus complexes celles-là, mais peut être programmée, disons ça simplement comme ça, pour faire le calcul à chaque fois qu'on passe de 0 à 1 ou faire le calcul à chaque fois qu'on passe de 1 à 0. Les deux sont possibles. On parle de signal d'horloge qui fonctionne avec le front ascendant ou avec le front descendant. Généralement, on va utiliser le front ascendant juste parce que c'est beaucoup plus logique, mais ça ne change rien. On s'entend qu'elle pourrait tout à fait être au front descendant, puis ça ne changerait pas grand-chose à ce qu'on va observer. Donc, la bascule va faire un calcul à chaque fois qu'il va y avoir un front ascendant ou descendant. Donc, c'est-à-dire à chaque fois qu'on va passer de 0 à 1 dans le signal d'horloge, la bascule va en profiter pour faire un calcul. Donc, c'est comme si on lui envoie le signal « Ok, regardons c'est quoi qu'il y a à l'entrée en ce moment pour déterminer la valeur de la sortie. » Puis ensuite, il n'y a rien qui bouge jusqu'au prochain signal d'horloge, donc au prochain front ascendant. Là, la bascule va faire un calcul. Qu'est-ce qui s'est passé à l'entrée pendant ce temps-là? Elle pourrait avoir changé 50 fois chacune des deux. La bascule ne va pas réagir. Elle va réagir uniquement au moment où elle reçoit le signal de faire le calcul. Alors, on a une entrée supplémentaire ici. Et là, j'ai ma bascule SC de tout à l'heure. Donc, ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire que si S et C sont toutes les deux à 0, la sortie ne va pas changer. Et que si les deux entrées, S et C, deviennent 1 en même temps, on ne sait pas ce que ça va donner. Fait qu'on va essayer d'éviter ces cas-là pour l'instant, parce qu'on travaille avec une bascule simplifiée qui a des résultats incertains. Donc là, on va juste regarder, OK, mais connaissant cette table de vérité-là, et là, sachant qu'on va avoir un résultat, un calcul, à chaque fois qu'on reçoit un front ascendant, qu'est-ce qui va se passer avec la valeur de sortie? Toujours la valeur Q. Pour différencier les fronts descendants, on va remarquer l'apparition d'un petit rond en avant qui signifie que le clock fonctionne avec le front descendant plutôt que le front ascendant. S'il n'y a pas le petit rond en avant, ça signifie le front ascendant. Je vais essayer évidemment de vous fournir la table de vérité avec la petite flèche pour que ce soit clair. Donc, si on utilise notre table de vérité qu'on a vue tout à l'heure, celle-là ici, donc qui nous dit que la bascule va fonctionner lors des fronts ascendants. Donc, on a notre clock qui est ici, donc avec les différents fronts ascendants,
Et je vous dis, ça c'est une information qui est fournie dans la question, qu'initialement, la valeur de la sortie, elle est 0. Et ça, c'est les valeurs des entrées, S et C, à différents moments. Donc, elles vont varier, puis ça aussi, ça fait partie de la question. Je vous dis, bien, voici comment varie S et C, et dites-moi comment varie la sortie. Alors là, on a 0, puis au premier front ascendant, qu'est-ce qui va se passer? On a S qui vaut 0 et C qui vaut 0. Donc, si les deux valent 0, ça veut dire que ma sortie va rester la même. Q0, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire sortie comme avant. Donc, ça va rester pareil. Jusqu'au prochain front ascendant. Au front ascendant suivant, S est devenu 1, alors que C est toujours 0. Fait que si S vaut 1 et que C vaut 0, ça veut dire que la sortie va devenir 1. Alors, à ce moment-là, au front ascendant, la bascule va faire un calcul et déterminer que maintenant la sortie devient 1. Comme ça. Et ça, c'est vrai jusqu'au prochain front ascendant. Qu'est-ce qui va se passer ici? Il va se passer à ce front-là que C vaut 1 et S vaut 0. Quand C vaut 1 puis S vaut 0, la sortie devient 0. Donc, à ce moment-là, la sortie va devenir 0. Au prochain front ascendant, qu'est-ce qu'on a? Ah ben là, j'ai S qui vaut 1, puis C qui vaut 0. Alors, si S vaut 1, puis C vaut 0, la sortie va devenir 1. Voilà. Front ascendant suivant. S vaut 0 et C vaut 0. Quand mes deux entrées valent 0, la sortie va rester la même. Donc, comme j'avais déjà 1 comme sortie, on va conserver cette valeur-là. Comme ça ici. Et finalement, on va s'arrêter après ça ici. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai S qui est 1 et C qui est 0. Donc, si S vaut 1 et C vaut 0, la sortie devient 1. Elle était déjà 1, fait qu'elle va rester 1, tout simplement. Comme ça ici. Alors, la valeur de la sortie va varier de cette façon-là. C'est sûr qu'ici, j'ai fait attention de ne pas avoir les deux entrées qui valent 1 en même temps, parce que là, on n'aurait pas été capable de savoir si la sortie aurait donné 1 ou 0. Donc ça, c'est parce que la façon dont la bascule SC est faite, bien, toutes les possibilités sont pas nécessairement très claires et donc c'est pas la meilleure bascule possible. Pour avoir des meilleures bascules, on va se servir plutôt de la bascule JK synchrone. Celle-là, on verra pas comment elle est faite à l'intérieur parce que c'est beaucoup plus compliqué, mais il n'y a pas de condition ambiguë, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de résultat qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. La bascule JK, c'est celle-ci. Sa table de vérité, elle est comme ça. C'est-à-dire que si les deux entrées J et K sont 0, la sortie reste la même. Si J vaut 0 mais que K vaut 1, la sortie va devenir 0. Alors que si J devient 1 et que K vaut 0, la sortie va devenir 1. Ce qui est intéressant, c'est que si les deux entrées sont 1, la valeur de la sortie va s'inverser. Donc c'est ça la barre ici. Q0, c'est la valeur initiale. Puis la barre, ça signifie non, valeur initiale, et donc inversion de la valeur. Donc, ça veut dire que la sortie Q va devenir l'inverse de ce qu'elle était. Alors, si je fais un exemple similaire, mais avec cette nouvelle table de vérité-là, on va regarder ce qui se passe. Je vous dis, dans ce cas-ci, que la valeur initialement était 1. On a le signal d'horloge qui est ici, on voit qu'on réagit au front ascendant, et je vous donne des valeurs n'importe quoi de signal J et K, donc les deux entrées, comment elles varient dans le temps. Alors, au premier signal d'horloge, on regarde la valeur de J et de K. J égale à 0, K égale à 1. Alors, J vaut 0, K vaut 1. Ça veut dire que ma sortie va devenir 0. À ce signal d'horloge-là, la valeur de la sortie va devenir 0 jusqu'au prochain signal d'horloge. À ce moment-là, les deux entrées sont à 1. J vaut 1 et K vaut 1. Quand les deux entrées valent 1, le résultat s'inverse. Donc, comme ma sortie était 0, ça va devenir 1. Comme ça ici. À ce moment-ci, qu'est-ce qui se passe? J'ai mes deux entrées qui sont à 0. Quand les deux entrées sont à 0, la sortie reste la même. J'ai 1, ça va rester 1. Ensuite, à ce signal-ci, j'ai l'entrée J qui vaut 1 et l'entrée K qui vaut 0. Quand J vaut 1 et K vaut 0, la sortie devient 1. On était déjà à 1, mais dans ce cas-ci, ça fait juste rester 1. Et finalement, ici, j'ai mes deux entrées qui sont à 1. Si les deux entrées valent 1, la sortie va s'inverser. J'avais un 1, ça va devenir un 0. Voilà.
C'est ça que ça a l'air, le signal de sortie en fonction des différents signaux d'entrée. La dernière bascule dont on va se servir, c'est la bascule D, synchrone, dans laquelle, puis c'est vraiment la plus simple qu'on peut imaginer, la valeur de la sortie est égale à la valeur de l'entrée. Fait que Q égale à D. Si D vaut 0, Q égale 0. Si D égale 1, Q égale 1. Pour vrai, c'est vraiment juste ça. Ça ne veut pas dire que c'est pas utile. Alors, par exemple, si je branche la sortie non Q directement avec l'entrée D, qu'est-ce qui va se passer? Bon, supposons qu'initialement, la valeur de Q, c'était 1. Fait que là, qu'est-ce qui va se passer? Bien, évidemment, il se passe que non Q était égal à 0. Puis au prochain signal d'horloge, parce que Q vaut 1, non Q vaut 0, et donc D vaut 0. Donc, qu'est-ce qui va se passer au prochain signal d'horloge? D est égal à 0, et donc Q va devenir égal à 0. Donc, ça va passer à 0. Et là, non Q devient égal à 1. Fait, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il se passe qu'au prochain signal d'horloge, ici, non Q vaut 1, alors Q va devenir égal à 1. Comme ça ici. Au prochain signal d'horloge, je reçois exactement la même chose. Et donc, on va revenir à 0. Donc, ça va alterner entre 1 puis 0. Mais remarquez que la fréquence de ma sortie est exactement la moitié de la fréquence du signal d'horloge. C'est un diviseur de fréquence. OK, on ne va pas vraiment s'en servir pour ça. On va voir qu'est-ce qu'on va faire avec ces bascules-là dans les compteurs synchrones, qui est la dernière partie du cours que vous allez voir dans chapitre 10. Deuxième partie. Salut!